Bonjour, aujourd'hui je veux t'expliquer pourquoi les contenus gratuits enfin vont te faire perdre de l'argent et du temps. Au début, quand on se met à l'idée de vouloir construire un business online, on n'a peut-être pas encore d'argent, on n'a pas envie d'investir beaucoup de choses parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de contenus gratuits partout. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, toi. Dès que tu commences à t'intéresser à un sujet, sur Facebook et Google fait ça aussi, tout d'un coup tu vas à la publicité de tout, de toutes ces choses. Donc une fois que tu te dis, tiens, moi le business online m'intéresse, tout d'un coup tu vas avoir de plus en plus de publicité sur ça, aussi bien dans Facebook que Google. Et donc là c'est très tentant, tu te dis, waouh, moi j'ai fait ça, t'inquiète, hein, je le raconte parce que j'ai fait ça. J'ai commencé. Et j'ai fait deux choses. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je me dépêche, je suis impatiente de nature, et j'ai acheté un programme. C'était comme ça, par hasard, j'ai trouvé ça dans un podcast. Je me dis, oh, chouette, 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 ça a l'air bien. C'était cher. Et en réalité, c'était malheureusement, j'ai acheté ça, on va pas dire sur un coup de tête, je me dis, ça me convient, ça c'est ce que je cherche. J'étais au début, je faisais l'erreur de ne pas savoir. Comment tu choisis un programme que tu vas acheter? Donc ça, je te le dis ici aussi comment tu dois faire. Premièrement, la prof doit vraiment être la même longueur d'onde que toi. Tu dois le sentir, ça. Deuxièmement, elle doit être quelqu'un qui a du succès et assez loin pour que tu sois poussé aussi loin qu'elle, hein. Troisièmement, l'idéal, ce serait que les gens qui achètent le programme en même temps que toi sont dans le groupe, mais ce sont des gens qui te ressemblent. À quoi ça sert d'être dans un groupe avec des informaticiens si toi tu es professeur de danse? À quoi ça te sert d'être dans un groupe qui ne parle que allemand, disons, si toi ton business est en français? Ces gens-là vont pouvoir même jamais, dans le groupe, te donner un conseil quand toi tu crées une page ou une publicité. Personne ne va pouvoir t'aider dans le groupe. Donc quand tu te choisis un programme, choisis-toi un programme avec des gens qui peuvent regarder ton business où vous pouvez avoir des interactions et vous entraider. Sinon, ça, là, ça c'est. Voilà, je pense qu'on a été coupé. Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. Regarde ça. Longueur d'onde avec la prof, la communauté. Comment est-ce qu'elle va pouvoir t'aider dans ce que toi tu fais? Est-ce que là-dedans il y a des gens qui sont un peu comme toi, dans le même business que toi, et qui sont aussi dans la langue où ils peuvent comprendre ton business dans ta langue? Voilà, donc, que je ne me perde pas, pourquoi les contenus gratuits te font perdre de l'argent? Donc j'avais déjà ça, mais comme tu as entendu, ça ne me nourrissait pas, ça convenait pas, je sais pas, j'arrivais pas à suivre, j'arrivais même pas à faire tous les modules, même si peut-être les contenus étaient bien, et le prof n'était pas derrière. J'étais dans un groupe, j'étais avec un coach, mais je me sentais vraiment très seule et très nulle, parce que j'arrivais pas à, je restais butée sur des choses, je me sentais tellement nulle. Alors qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à regarder tous les contenus ailleurs et gratuits. Et donc, je peux te dire que sur mon ordinateur, il y a des folders et des folders de trucs que j'ai téléchargés. Mon étagère ici aussi, il y a des trucs que j'ai imprimés avec des centaines de pages parce que je me suis imaginé que j'allais apprendre comme ça et que j'allais étudier tout ça. Eh bien, quand tu suis un cours online, je peux te presque te garantir que si tu n'as pas l'aide d'un coach qui est derrière ou d'une communauté très nourrissante, tu peux passer des heures et des années à essayer de comprendre, d'apprendre par toi tout seul, par ce contenu gratuit. Et franchement, je te le déconseille. Ce que je te conseille, c'est, bon, bah, moi j'ai fait ça pendant 3 ans, et ce n'est que quand j'ai acheté le programme avec Sigrun, où c'est vraiment la même longueur d'onde que moi. J'adore cette femme, j'adore tout ce qu'elle fait, j'adore comment elle parle. Vraiment, c'est la longueur d'onde qu'il me faut. Sa communauté, j'ai plein de professeurs de danse là-dedans, j'ai plein de professeurs de yoga dedans, des artistes, des coachs, vraiment des gens qui sont dans le même business que moi, donc plein d'amis d'ailleurs que j'ai trouvés. Et c'est là que j'ai avancé parce que Sigrun fait en sorte, quand tu es dans son programme, que tu poireautes pas dans ton
coin en train de te morfondre, de te trouver nulle parce que tu n'arrives pas à faire les modules. Parfois, elle est contre le fait de consommer et apprendre, elle est pour le fait de faire des actions. Et donc, elle va te pousser à faire ça, à te dépasser et à changer un peu ta mentalité autour de tout ça. Et c'est ça qu'il te faut. Donc, les contenus gratuits, tu n'as pas ça. Avec un contenu gratuit, tu as un contenu gratuit et puis tu es seul. Et vas-y pour avancer. Donc, moi, ça n'a absolument pas marché. Et n'oublie pas que chaque minute qui passe, chaque jour qui passe, c'est un jour où tu n'es pas en train de construire ton business. Donc, il m'a fallu 3 ans pour pouvoir quitter mon travail et me mettre en tant qu'indépendant. Mais si j'avais eu Sigrun, là, depuis Sigrun, ça fait le mois de janvier, ça fait 7 mois, tu t'imagines, j'aurais gagné 2 ans. Mais dans ces 2 ans, non seulement je n'ai pas eu donc de clients, c'est resté au niveau de hobby quelque part, hein. J'ai eu un peu d'expérience, bien sûr, mais quelque part, c'est perdre de l'argent aussi, parce que perdre de l'argent et du temps, parce que tu aurais pu déjà commencer à travailler avec les clients et commencer à avoir des rentrées financières et tout ça, hein. Et donc voilà, je te déconseille tous ces contenus gratuits. Je te les déconseille même quand tu as acheté un programme qui te convient, renseigne-toi. Achète un programme, investis là-dedans. Et la prochaine vidéo que je vais faire, je vais te dire ce que la valeur du programme que tu achètes a avec la valeur que tu t'octroies quelque part. J'ai compris, ça m'a fallu du temps. Et donc, ça, c'est ce que je te recommande, c'est quand tu as acheté ce programme, tu vires tout le reste. Tu vires le reste. Tu te concentres sur ce programme. Bon, avec Sigrun et Samba, j'ai la chance qu'il y a tout là-dedans. Même si les autres peuvent être tout à fait valables, je ne les regarde plus, je ne suis plus abonnée, je suis Sigrun dans tout ce qu'elle fait et ça m'aide. Et voilà, je n'ai pas besoin de plus et ça me convient parfaitement. Donc, je veux bien sûr t'inspirer et pour moi, Samba, c'est le meilleur programme qui soit. Donc, je veux t'inspirer à aller jeter un sérieux coup d'œil dans ce programme, voir si ça concorde avec toi et me rejoindre dans le groupe Facebook que j'ai créé hier pour avoir cette super communauté, un groupe Facebook temporaire qui va être fermé le 26 septembre pour pouvoir apprendre à vivre de ta passion et te construire un business online. Même si au début, ce n'est qu'une idée dans ta tête. Ça peut être super intéressant. Je te souhaite une très belle après-midi et à demain!